Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Toute Image sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. La grippe des poils, qui en réalité n'est pas une grippe, provoque des symptômes similaires à une infection virale, fièvre, frissons, maux de tête, toux, parfois même nausées ou vertiges. Ces symptômes sont déclenchés par une exposition aux polymères présents dans les revêtements d'ustensiles de cuisson, dans les poils anti-adhésives, justement, pour vous préserver de ces effets, ne jamais faire chauffer la poêle à blanc et respecter les températures de chauffe préconisées par le fabricant, aérer largement la cuisine après avoir cuisiné, ne pas utiliser de poêle anti-adhésive rayée ou abîmée et préférer les cuillères et spatules en bois ou en silicone. La vigilance jaune est maintenue en Martinique ce mardi 6 août 2024 pour fortes pluies et orages. Le judoka guadeloupéen triple médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2024, Teddy Riner, a annoncé sur son compte Instagram qu'il arrive ce mardi 6 août en Guadeloupe où il restera 24 heures. Une arrivée prévue aux alentours de 15 heures. Le CROSAG, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane, a mené en 2023 1682 interventions en zone Antilles, permettant de secourir ou d'assister 1131 personnes. Entre 2022 et 2023, le nombre d'opérations conduites par le CROSAG a augmenté de 10%. On observe une tendance à l'augmentation du nombre d'interventions par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire. La 14e édition du Festival de la Dachine s'est déroulée ce week-end sur la place du 22 mai au Morne Rouge. Le public a répondu présent et le succès de cette manifestation ne s'est pas démenti. Seule petite ombre au tableau, il n'y avait pas suffisamment de dachine sur les étals. La faute à un scarabée qui détruit jusqu'à 70% des récoltes. Pour soutenir les familles en difficulté à la veille de la rentrée scolaire, la Croix-Rouge française en Martinique organise une collecte de fournitures scolaires neuves. Les fournitures collectées seront ensuite redistribuées aux enfants pour répondre aux très nombreuses demandes reçues des parents d'enfants scolarisés par le truchement des associations et des CCAS qui fournissent des listes à la Croix-Rouge. Cette collecte concerne également les enfants inscrits au soutien scolaire de la Croix-Rouge, ainsi que ceux des familles suivies par le lieu d'accueil de jour des établissements de la Croix-Rouge. Vous pouvez effectuer les dons de fournitures scolaires neuves et de sacs à dos sans papier cadeau à Leclerc Le Rond-Point et Leclerc La Galeria, au centre commercial de Place d'Armes, à Carrefour Dillon, Carrefour Cluny, Carrefour Genipa, Carrefour Océanis, à Bureau Vallée Dillon et Ducos, à Cultura Californie, le vendredi 9 août de 14h à 18h et le samedi 10 août de 9h à 18h. La Croix-Rouge accueille également les nouveaux volontaires qui souhaitent participer à la collecte de fournitures scolaires pour une heure, une journée ou une semaine. Vous pouvez la contacter au 05 96 73 85 13 ou au 06 96 05 02 62. Son siège se trouve au 195 avenue Léonard Gabriel à la Cité Dillon à Fort-de-France. Des produits dérivés des JO de Paris font l'objet de rappels consommateurs. Il s'agit de gourdes pour enfants de la marque Villac. Ces gourdes contiennent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Il convient de les rendre à la boutique où elles ont été achetées. Que ce soit au Portugal, à Majorque, à Tenerife ou à Barcelone, on observe une progression des manifestations anti-tourisme. Les manifestants déploient des banderoles, brandissent des panneaux et vont même jusqu'à utiliser des pistolets à eau pour asperger les visiteurs.
Pour ces militants, le tourisme n'apporte rien à l'économie locale et a un impact social globalement négatif. Invasion des plages et des sites touristiques, tension sur les services publics et augmentation du prix des logements à un niveau inabordable pour les résidents. Rappelons que dans l'Union européenne, le tourisme représente environ 5% de l'activité économique et qu'un nombre important d'emplois, environ 10,5% de l'emploi total, dépendent directement ou indirectement de lui. Dans certaines îles de la Caraïbe, le secteur du tourisme fournit plus de 90% des emplois. Au niveau mondial, on a estimé à 1,3 milliard le nombre de voyages touristiques en 2023. Les voyageurs auraient ainsi dépensé 1 500 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des activités touristiques est tel que si le tourisme était une nation, il serait un membre du G20. Rappelons par ailleurs que les dépenses touristiques sont considérées comme des exportations et contribuent donc à équilibrer la balance des paiements en cas d'importantes importations de biens alimentaires ou de sources d'énergie notamment. En 2022, par exemple, les touristes étrangers ont dépensé près de 370 milliards de dollars dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Néanmoins, il convient pour chaque pays ou chaque région de penser à long terme sa politique touristique afin que l'activité du secteur se développe de façon harmonieuse. Il appartient par ailleurs aux touristes de respecter tant la population que les installations du pays d'accueil. Il est également préférable de dépenser son argent auprès de professionnels locaux dont l'activité fait réellement tourner l'économie locale plutôt que de choisir de grandes chaînes d'hôtels internationales qui rapatrient une grosse partie de leurs profits vers leur pays d'origine et dont l'activité peut renforcer les inégalités locales. On peut également privilégier les opérateurs qui font des offres de tourisme soutenables et visiter des lieux moins connus et moins fréquentés. Demain mercredi 7 août de 9h30 à 11h30, le parc naturel régional vous invite à la découverte du patrimoine naturel de la commune du Morne-Rouge. L'occasion idéale d'améliorer vos connaissances sur le sujet, le rendez-vous est au domaine d'Émeraude, labellisé Jardin Remarquable. En participant à cette action, vous pourrez collaborer à l'Atlas de la biodiversité communale, ABC, un projet participatif mené par le Parc naturel régional de la Martinique. Le parc aquatique du Marin, le Maya Beach Club, a été sérieusement endommagé lors du passage de l'ouragan Beryl et la base nautique, située depuis près de 25 ans à Lanse-Carritan, à Sainte-Anne, était tout simplement méconnaissable. Grâce au dévouement d'une dizaine de saisonniers, les structures gonflables ont pu être réparées et l'établissement est de nouveau ouvert au public. La France se distingue par la quasi-gratuité de ses soins, ce qui réjouit les athlètes de Paris 2024. Cette prise en charge a suscité des réactions variées sur Internet. Certains affirment que ce sont les Français qui paient pour ces soins dispensés aux sportifs étrangers. En réalité, les Jeux olympiques de Paris offrent une opportunité parfaite pour les athlètes internationaux de faire un bilan médical complet sans que cela ne soit à la charge des Français, comme certains internautes le pensent. Les sportifs ont en effet accès à un grand centre de santé temporaire sous la responsabilité de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, spécialement créé pour prendre en charge les soins des athlètes et des délégations. Assurant jusqu'à 700 consultations par jour, cette polyclinique est installée dans les locaux réaménagés d'une école de kinésithérapie, d'ostéopathie et de podologie. Outre les premiers soins, les sportifs ont accès à des consultations en médecine du sport, cardiologie, gynécologie, ophtalmologie et odontologie. Seul un bloc opératoire manque à la structure. La création et le fonctionnement de cette polyclinique réservés aux athlètes, sont financés par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, lui-même financé à 96% par des fonds privés. En 2023, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait estimé le coût de fonctionnement de la polyclinique à 3 800 000 euros. Les équipes sont constituées d'employés de l'assistance publique Hôpitaux de Paris,
pour les chefs de service et de bénévoles issus de diverses professions médicales, en activité, en formation ou à la retraite. Notons que la gratuité des soins pour les athlètes olympiques n'est pas une nouveauté. Aux Jeux de Londres en 2012, 20 000 personnes munies d'un laissez-passer pour le village olympique ont pu bénéficier de soins dentaires et d'examens ophtalmologiques subventionnés par le service de santé nationale. Pendant cette période de vacances, les horaires de la bibliothèque Schœlcher changent. Les lundis, mardis et jeudis, elle ouvre de 8h à 14h30 et les mercredis et vendredis de 8h à 14h. Ces horaires sont valables jusqu'au 23 août. La bibliothèque sera fermée le samedi jusqu'à la reprise des horaires habituels. Pour donner son sang, aujourd'hui, outre l'établissement français du sang situé à la Maison du Don, au CHU Pierre Zebda-Kittmann à Fort-de-France, ouvert de 9h à 16h, il était possible de se rendre au camion de collecte présent à la mairie de Casse-Pilote de 8h à 13h. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique? L'élevage d'oursins, je pense que c'est un bail qui est très dur parce que c'est un bail protégé. Hein, et il y a qu'à veiller à ça. Et il y a quand même des très chers aussi pour ça. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que je veux. Enfin, en tous les cas, je crois que ça serait un plus hein, pour les produits au niveau de l'île. Bon, c'est vrai qu'en aquaculture, on a déjà les écrevisses. Donc, pourquoi pas les oursins. Et puis, lorsqu'on parle aussi de nouvelles choses dans le pays, donc ça aussi, ça risque d'emmener une entreprise de plus. Ce qui veut dire offrir aussi des emplois. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait souhaité avoir en Martinique. Pourquoi pas. Maintenant, on attend pour voir si les choses vont arriver à se décanter pour créer ce dont vous me posez la question. Mais les élevages d'oursins, sérieusement, en Martinique, c'est peut-être vrai, mais c'est difficile parce que vous savez, les oursins, ça coûte de l'or. Difficile hein, à acheter. Alors, je ne sais pas. Non, parce que moi, je ne vois pas pourquoi on va faire des élevages d'oursins, puisque normalement, ils sont à l'état sauvage, normalement. Et ce n'était pas la peine de les faire élever, puisqu'il faudra donner des produits, peut-être qu'ils ne doivent pas correspondre à nous-mêmes quand on va le manger. Voilà. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique? Oui, je serais d'accord. Oui, comme on dit mon mari, c'est pour créer moins de chômage, que les jeunes puissent trouver du travail. Et puis que la Martinique avance un peu. Eh bien oui, pourquoi pas, puisqu'il en manque des fruits de mer, hein. Ben, je pense que ça sera bien. C'est bien hein, de faire des élevages pour qu'on puisse avoir un petit peu de fruits de mer. Non, je ne suis pas pour. Je préfère que les trucs soient naturels, qu'on laisse le temps aux bêtes de se reproduire. Tandis que si on fait l'élevage d'oursin, ça deviendra vulgaire. Oui, ce serait bien, puisque c'est quelque chose que les Antillais, les Martiniquais aiment bien, même les touristes. Et ce n'est pas tout le temps qu'on trouve des oursins. Des fois, il faut attendre, des fois, il y a le mauvais temps. Donc, c'est vrai que ce serait bien de faire des élevages d'oursins en Martinique. Ce serait une bonne chose. Bon, jusqu'à ce que je peux dire, quoi. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'oursin, on vous dit que c'est les marins pêcheurs seulement qui ont le droit de prendre des oursins. Et la mer appartient à tout le monde. Je pense qu'ils payent tout ce qu'il y a à payer. Ils doivent prendre, mais ils doivent laisser quand même un jour pour les plaisanciers. Parce que c'est pas tout le monde qui peut payer un kilo d'oursin à 100 euros. Hein. En Martinique, ça va partir dans une grosse exploitation. Hein. Ça dénature, en fait, l'oursin. Moi, je suis pas pour. Hein. Je préfère que ça reste à l'état sauvage. Oui, de toutes les façons, on peut le faire. De toutes les façons, c'est quelque chose qu'en Martinique, on n'aime que ça. Oui, mais bon, au point de vue de prix, alors là, c'est pas évident. Mais on peut le faire quand même. Merci. Eh bien, je vous dis pourquoi pas, bien sûr.
ce serait formidable. Oui, pourquoi pas. D'accord. Mais les élevages d'oursins, sérieusement, en Martinique, c'est peut-être vrai, mais c'est difficile parce que vous savez, les oursins, ça coûte de l'or. Difficile, hein, à acheter. Alors, je ne sais pas. Nous avons demandé aux Martiniquais rencontrés dans la rue s'il ne serait pas bien de remplacer les vieux immeubles de Fort-de-France par des jardins partagés. Comme vous avez pu le constater, nombreux sont ceux qui ont trouvé que cela était une bonne idée. Quelques-uns ont plutôt plaidé pour des rénovations qui auraient permis d'augmenter le parc de logements. Or, nous apprenons, va être présenté au pôle architecture, ville et patrimoine de Cayenne, le guide du végétal dans les aménagements urbains en Guyane. Voilà comment ce guide est décrit. C'est un outil qui vise à l'intégration de la nature en ville, au niveau local, et à l'amélioration des conditions de vie des habitants, grâce au végétal, dans l'espace public urbain guyanais. Il s'agit d'un document technique et pédagogique à l'attention des acteurs de l'aménagement en Guyane, élus locaux, techniciens de l'aménagement urbain et grand public. C'est un document concret avec des prescriptions et des conseils adaptés au contexte amazonien de la Guyane. Il se décline en trois parties. D'abord, les volets 1 et 2 traitent du comment planter en ville équatoriale et de la gestion du patrimoine végétal. Il est question ensuite de fiches techniques qui expliquent le rôle du végétal dans différentes typologies d'espaces et quelles espèces y sont adaptées. Enfin, le guide du végétal dans les aménagements urbains en Guyane propose une palette illustrée comptant 20 espèces végétales allant du couvre-sol à l'arbre déjà utilisé en aménagement et disponible en pépinière. Fin de description. Certes, comme on voit, il ne s'agit pas de jardins partagés, mais on voit très clairement que le virage est souhaité d'apporter de la campagne dans la ville, dans un pays où pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de nature. Pour en revenir aux jardins partagés dans les villes, notons qu'ils sont apparus en France dès le 19e siècle et qu'ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la préoccupation écologique et notamment le bien manger gagnent du terrain. Et il n'y a pas qu'en France. Aux États-Unis, la ville de Détroit est littéralement plantée de jardins partagés. En réalité, ce que nous voulons dire, c'est qu'à côté de la revendication, de l'éternelle revendication, nous devons être capables d'emprunter le chemin de l'action, le chemin de la construction. Nous devons imaginer des solutions, prendre des initiatives. Nous ne devons pas nous contenter de danser dans les rues de la ville ou sous les routes des campagnes à la queue leu-leu, au son du tambour, en réclamant sans cesse, en réclamant encore, en réclamant toujours. Puisque nous disons aimer notre pays, puisque nous le revendiquons, construisons-le, faisons de lui un joyau dont la lumière va aveugler le monde. Soyons persuadés que nous en sommes capables, parce que c'est vrai, nous en sommes capables si nous empruntons les bons chemins. La maladie hépatique associée au dysfonctionnement métabolique fait partie de l'une des pathologies affectant le foie. En France, cette maladie du foie concernerait 16,7% de la population adulte. C'est actuellement l'une des maladies chroniques du foie les plus courantes. Également appelée maladie du foie gras non alcoolique, elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie, pouvant conduire à une inflammation puis à la cirrhose. Cette maladie touche principalement les personnes obèses à hauteur de 79,7% et des personnes diabétiques à hauteur de 63%. Ainsi, les facteurs favorisant son apparition sont un taux élevé de triglycémie,
un faible taux de cholestérol, une hypertension artérielle et un taux élevé de glycémie veineuse. Aucun médicament n'a été approuvé pour le traitement de l'inflammation puis à la cirrhose du foie à l'heure actuelle. Et la teneur en graisse dans le corps ne peut être réduite qu'en contrôlant l'alimentation et en augmentant l'exercice. La consommation de boissons sucrées dont les sodas font partie pourrait augmenter le risque de cirrhose du foie non alcoolique en induisant une résistance à l'insuline et une inflammation du foie. Pour leur étude, ils ont souhaité se pencher sur le cas de boissons gazeuses diététiques. Bien que les soda light vantent souvent des allégations telles que zéro sucre et zéro calorie, ils ne sont pas considérés comme des boissons saines par les experts. Et ce n'est pas à tort, grâce à leur étude, ils ont pu suggérer qu'une consommation importante de soda diététique augmenterait aussi le risque d'inflammation et de cirrhose du foie non alcoolique. C'est la fin de ce journal Tout Image. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception, Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jeunie Georges, Marie-Flore Rosa, François Augustin, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Passez une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.